Cette vidéo de Deal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que les jeux. Je vous racontais plein de choses super intéressantes, vous avez manqué. Hein? <laughs> mais 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 bonsoir tout... bonsoir. Ben oui, il est 5 heures, on peut dire ça. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Bon mardi, j'espère que vous allez bien. Euh, moi ça va, ma journée a commencé intense, mais mais là là ça va là 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 c'est correct. Écoute, ça a commencé avec un concessionnaire qui veut me rajouter 50 000 choses sur ma facture. Après ça. Ben, ça, la laveuse de ma voisine déversée dans ma salle de bain. Euh, pis c'est ça, mais c'est correct. J'ai eu mon cours de d'échange, j'ai été courir, ça va bien. Puis là, on fait le Kickstarter. Fait que c'est encore plus mieux, bref. <laughs> fait que là, on va se faire du fun avec Kickstarter. Donc, pour ceux qui connaissent pas, un chausson avec ça, j'aurais bien aimé, au moins. Euh, mais j'ai pas de chausson, mais j'ai un bubbly. J'ai un bubbly. Euh, c'est tout. <laughs> voilà. Fait que, comme à mon habitude, buvez pas de bubbly, ça goûte pas bon. <laughs> Un jour, je vais pouvoir avoir. Euh, ils vont me payer pour que j'arrête de dire ça. Puis, euh, puis c'est ça. Je vais devenir riche, millionnaire même. Je vais avoir une pierre au rein. Pourquoi j'aurais une pierre au rein? Parce que je bois du bubbly. Il y a genre absolument rien dans ça. Et encore moins du sel. Hein? Fait que, fait que non, je devrais pas avoir de pierre au rein, savoir, euh, mais je pense que je pense que je me sens, je me sens pas mal safe par rapport à ça. Mais, mais, on n'est pas là pour parler de Pierre aux rein, ni de quoi Quoique, si vous écoutez, euh, j'attends toujours pour, euh, pour ma commandite. <laughs> Fait que, fait que c'est ça. Mais on est là pour parler de Kickstarter parce que je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal, une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société où je fais des reviews, des playthroughs, des unboxings, des vidéos règles, des entrevues. Euh... Mon Dieu, des questions comme ça. Je vois, je vois Midara apparaître à l'écran. C'est ça. ça, ça. Euh, ben, hein? Ça me déconcentre. <laughs> Mais c'est pas grave. Fait que, bref, allez voir ça sur YouTube si ça vous intéresse. Est-ce que j'ai Midara, moi euh, Je l'attends. Impatiemment, il devrait arriver euh, d'ici peu. En fait, il a été shippé. j'ai baqué la première campagne avec tous les petits packaging puis tout le kit. Fait qu'on on va avoir un unboxing de Midara, probablement un review, euh, probablement un playthrough, probablement euh, un paquet de choses de Midara qui va venir. Ça deal. Board Game Co vient de sortir le déballage. Je le sais, c'est malade. J'ai vraiment hâte de déballer mon jeu de Midara. Ça fait longtemps que je l'attends. Ça va être écœurant. Mais le eh ben c'est ça on va parler des, des campagnes Kickstarter pas qui viennent de passer quoi celle-là ça fait des années en fait mais on va parler de celles qui sont là là présentement sur Kickstarter puis qu'on peut backer mais si vous voulez Midara sachez que c'est possible de le précommander sur le site internet genre Midara.com quelque chose comme ça ils ont fait un magasin en ligne avec les copies qui leur restent si vous voulez vous les commander c'est là que vous pouvez aller mais là on va commencer et on va jaser de Kickstarter tout de suite Et voilà magie. Alors pour répondre à la question de Morialos pour Midara, ils ont fait le livre de règles et le livre de campagne de Midara en version française PDF. Ce qui veut dire que si tu as Midara à la maison, tu peux te télécharger le PDF qui est déjà disponible sur le site de la deuxième campagne de Midara et avoir le jeu en français. Il y a juste les cartes en fait, puis les cartes de personnages qui seront pas traduites, euh, mais tout le reste est traduit déjà. C'est déjà disponible. Donc, euh, donc il y a ça. C'est vraiment cool en plus. Alors, euh... <laughs> donc, on va commencer aujourd'hui à présenter les Kickstarter et on commence toujours avec mes classiques catégories. Alors, la première catégorie et là, je vais juste prendre un petit deux secondes pour vous mettre en comment vos commentaires euh, sur mon téléphone parce que sinon, hein, je vous répondrai pas à vos commentaires, ça serait triste, ce serait pas très poli, mettons optimale. Et voilà, fac. La première catégorie, comme d'habitude, c'est la catégorie outsiders où je présente des campagnes Kickstarter qui ne sont pas sur Kickstarter, c'est des campagnes de sous-financement mais faites sur d'autres plateformes, entre autres GameFound. Sauf qu'en ce moment, GameFound est encore avec une campagne que j'ai présentée il y a comme quatre semaines là. et ils sont dans les derniers jours. Donc, no outsiders aujourd'hui, je m'excuse. Et ensuite de ça, bien, on a le en retard au parté, mais en retard au parté, euh, encore une fois, il euh, n'y a pas de... Les pledges que j'ai eu connaissance, en tout cas, qui a ouvert, puis qui était intéressant, fait que j'en ai pas non plus. Par contre, je répète, pour Midara, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas... Euh, donc, qui est disponible. L'autre fois, j'en avais parlé, mais comme on, on m'en parle encore dans les commentaires, je remets juste le site ici pour que vous le voyez. Donc, c'est midara.com. Et là, vous avez le catalogue et vous pouvez, vous pouvez vous commander tout ce qui était dans le premier wave. Donc, tout ce qui va nous être shippé. Alors, si vous voulez avoir le jeu de base, l'acte 1 est 160 dollars US. <laughs> Il en sort pas beaucoup sur Game fan non, c'est tout nouveau. Ils sont en train de prendre le beat tranquillement. Euh, éventuellement, ils vont en sortir d'autres. Je pense qu'ils veulent se focuser sur une campagne à la fois. Fait que là, ils finissent leur campagne en attendant, mais on n'en a pas. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de campagne sur GameFound qu'on n'a pas de campagne intéressante à parler. Parce que, dans le fond, là, euh, dans les grosses campagnes qu'il y a aujourd'hui, il y en a une qu'on attendait depuis longtemps. En tout cas, je, sais, je dis on, là, moi, je me sens concernée. Peut-être que vous, vous n'en avez rien à faire, mais c'est pas grave. Euh, moi, j'en ai quelque chose à faire et c'est... Un jeu de Chip Terry Game. Chip Terry Game, qu'on connaît entre autres pour son très 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 populaire jeu Too Many Bones et son nouveau jeu aussi qui est apparu euh, sur les tablettes récemment qui est Cloud Spire. Donc Chip Terry Games, c'est une compagnie qui se spécialise dans les jeux de qualité euh, assez dément. Donc euh, les jeux vont coûter très très cher parce que la qualité du jeu va être vraiment exceptionnelle. Euh, Too Many Bones, tu peux le jouer. Dans l'eau, si tu veux, tout est imperméable et tout est waterproof, même les cartes. Puis euh, c'est ça, la qualité est toujours écœurante. <laughs> Puis euh, c'est pas pas mal le seul Marialos. Il y en a plein d'autres. Fais-moi confiance. J'ai épluché la planète Kickstarter euh, cet après-midi. Donc, euh, c'est leur nouveau volet, c'est Oplomacus Victorum, qui est un jeu de bataille d'arène solo. Euh, donc. Qui va se jouer justement en solitaire, ce qui, qui va se jouer en semi- semi-campagne, je dirais, ça se joue en quatre parties. Fait c'est comme une campagne. Dans le fond, tu commences ça, puis tu fais tes quatre parties. Euh, puis c'est ça. Puis dans le fond, c'est 13 ans et plus, ça prend 90 minutes à jouer. Eh bien, ça serait pas chip theory games, si ça serait pas fait à partir de chips de poker de qualité exceptionnelle, que c'est gravé à l'intérieur, que c'est. En tout cas, je sais pas c'est quoi leur technique d'impression, là, mais. Euh... Ce qui est sûr, c'est que vos chips de poker, là, ils ne se décoloreront jamais. La qualité est vraiment euh, fantastique. Euh, Puis, euh, en plus de ça, ben, ils sont, sont le fun à manipuler. Ils sont comme lourds. Ils sont comme... Euh, c'est satisfaisant. Qu'est-ce okay, si que vous voulez je vous dise? Fait que là, Oplomachus... -là, euh, S'il y en a qui le connaissent ce jeu-là parce qu'il a déjà existé avant, c'était un des premiers jeux euh, de Chip Theory Game. Donc euh, au début, début de ma chaîne YouTube, à place de faire des Kickstarter café, je faisais des euh, Au premier regard où là je faisais un épisode où je présentais entre trop des Kickstarter j'en avais parlé que ça s'en venait, euh, puis qu'ils voulaient faire une autre version de Hoplomacus parce qu'ils sont pas satisfaits. De la version qui ont sorti il y a quelques temps parce qu'ils se disent, nous, euh, dans le fond, quand on a fondé la compagnie, on voulait avoir des jeux qui sont outstanding et Oplomacus ne répond plus à ces critères-là versus nos autres jeux qu'on a sortis après qui sont vraiment, vraiment euh, toute une coche au-dessus. FAC, on veut refaire une version de Oplomacus plus euh, belle. Et là, ben Oplomacus Victorum, oui, c'est une version plus belle d'Oplomachus, mais c'est pas Oplomacus, Oplomacus. C'est vraiment la version solo qui va se jouer en simili-campagne avec plusieurs cartes de campagne comme vous voyez là. Il ici, euh, Puis comment ça va fonctionner dans le fond? Euh, C'est ça, tu plusieurs plateaux sont double-sided, fait que tu as comme huit cartes de bataille, t'as des héros et des primus, t'as des gladiateurs, t'as ton tapis de néoprène de campagne ici, tes cartes, tes chips de tactique, tes chips d'arène, euh, plein, plein de choses, des cartes d'événements, des dés, ton tracker pour ton héros, tes cartes de prouesse, tes dés d'attaque, euh, des sillons que tu vas affronter. Et des pads pour traquer euh, la progression de ton héros parce que oui, comme ça se joue en simili campagne, ton héros va progresser dans le jeu, et comme ton héros va progresser dans le jeu, bien, ça te prend une feuille pour suivre la progression de ton héros. tu du sens, qu'est-ce que je dis avec ma bouche? Euh, C'est ça. Vous allez avoir également des chips de santé, des chips de, de XP, euh, des feuilles de référence, un guide de comment jouer, un guide de comment jouer rapidement, et des trays pour ranger vos chips à plus d'un sac pour mettre vos dés. Est-ce que j'ai pledgé dans les premiers jours pour avoir les jeux gratuits à vie Écoute, euh, euh, je pense que ma voiture un matin me coûtait assez cher pour pas que non je pledge de jeux euh, <laughs> maintenant. Mais, mais c'est vrai que quand Terry Games met un projet et ça n'importe lequel de leurs projets qu'ils vont mettre sur Kickstarter, ok, tu peux choisir d'acheter un pledge du jeu à 650 US, donc ce qui revient à 787 dollars canadiens. Mais pourquoi est-ce que tu achèterais un pledge du jeu plus cher que le pledge normal du jeu, ben en fait, c'est parce que les 300 personnes, les 300 premières personnes qui vont avoir réussi à sélectionner ce pledge-là, et ça part vite, mes amis, le soyez là quand le, la campagne se déclenche sur Kickstarter, parce que ça part dans les premières secondes. Il faut que tu sois vite sa gâchette, pour pouvoir sécuriser ce pledge-là, mais si tu réussis à le faire, tu payes 787 dollars canadiens, et tu vas recevoir une copie. De tous les futurs jeux que Chip Theory Games vont mettre en vente sur Kickstarter. Et comme c'est leur façon de sortir des jeux principaux, ben tu vas en recevoir une trolley. Euh, t'sais, un, un par chaque année ou un euh, dans, dans les. Euh, par deux ans, mettons, là. Mais tu quand même. Ça vaut la peine. Fait que. <laughs> fait que c'est ça. Puis. Euh, puis c'est une copie des, des jeux de base, par exemple. Fait que pour rentrer dans ton argent, tu sais, il va falloir que tu en accumules plusieurs. Euh, Puis tu vois, il y en a eu 300 ce matin qui ont réussi à le pledger, mais c'est parti vraiment, vraiment vite. Fait que là maintenant, ben, si tu veux un pledge, ben c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Fait qu'au Macus, il t'explique comment jouer, il t'explique que tu vas avoir ton héros et tu vas avoir des petits gladiateurs de départ. Tu vas te déplacer sur la carte du monde et tu vas euh, aller faire certains événements. T'as comme trois types d'événements. T'as des événements létaux des événements sportifs et des événements qui sont euh, des opportunités. Fait que les événements, les taux c'est des places où que tu, dans le fond, euh, tu vas faire des rencontres où vous allez vous battre et là si jamais tu meurs ben tes gladiateurs vont mourir. Euh, pour de bon, sauf que les récompenses sont intéressantes. Euh, les rencontres qui sont sportives, ben là, ça va être des combats contre d'autres euh, monstres et là, ben euh, dans le fond, euh, c'est moins, moins dommageable et ça va te permettre d'améliorer les stats de ton héros et d'accumuler de nouveaux gladiateurs. Et bref, tu vas Voyager et augmenter le niveau comme ça, avoir de plus en plus de gladiateurs dans ton armée, tout ça, faire des combats contre des intelligences artificielles parce que, je le répète, c'est un jeu qui est solo. Et euh, tous les héros que tu n'auras pas sélectionnés au début du jeu, parce que tu en sélectionnes un pour faire tes comme quatre parties. Ben à ce moment-là, il y en a trois là-dedans qui vont être sélectionnés pour être des héros, à des... ben pas des héros, mais pour être des méchants que tu vas te défendre à chaque acte. Comme ça se joue en quatre parties, chaque partie c'est un acte. À chaque fin de acte, ça finit euh, par une grosse bataille contre un, un grand vilain pas gentil, euh, entre autres les héros pas sélectionnés. Et à la fin, complètement, tu t'en vas faire un combat final épique sur le mont Vessi... Vesuvius euh, où tu vas combattre un sion qui est un un monstre mythique vraiment très très fort, genre Hydra. Ou Tauti, ou euh, Kamazot, z, je sais pas comment dire son nom. Bref, à place de <laughs> toutes les scraper, ben c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça joue ce jeu-là. Euh, T'as plusieurs héros de disponibles. T'en as comme genre 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! J'étais proche. C'est comme entre les deux, hein? Euh, fait que c'est ça. Et en plus, en plus de pouvoir avoir Hopomacus. Victorum, le jeu solo qui joue en campagne. Tu peux avoir Oplomachus Remastered, qui est le jeu Oplomachus qui se joue en combat d'arène et qui peut se jouer, dans le fond, en solo, en coop, en PVP, donc de 1 à 4 joueurs. Alors, si tu te procures Oplomachus, là, c'est la version remasterisée deluxe du jeu qui était sorti en 2012 auparavant. Euh, et en plus de ça, les deux sont cross-compatibles, ce qui veut dire que si tu procures Oblomacus Remastered et Victorum, tu peux switcher les monstres, les héros, tout ça entre les deux pour avoir encore plus de variabilité dans ton gameplay. Fait qu'à part de ça, qu'est-ce que je peux bien vous dire? C'est pas mal ça. Fait qu'en plus de pouvoir te procurer soit lui tout seul ou lui tout seul ou les deux ensemble, tu peux également te procurer des euh, Premium Health. Donc, comme avec tous les jeux de euh, Chip Theory Game, il y a tout le temps des chips de santé qui sont en plastique cheap. Je sais pas pourquoi. Tout le reste, c'est vraiment beau ça, c'est vraiment cheap. Mais l'offre en add dans leur campagne, si tu veux les avoir pas cheap, fait que de la même qualité que tes autres chips de jeu. Pour 25$ US, tu le peux. Et tu peux avoir un sac de chips à sac... <laughs> <laughs> tu, peux avoir... ça. <laughs> tu peux avoir un sac de chips pour ranger tes chips euh, que tu peux acheter en add-on. Bon, fait que, excusez, j'ai pas vu les... As-tu ah, pledgé? Non, j'ai pas pledgé. Euh, 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 Chip Theory Games et Awaken Rim sont pas mal les deux que je. <laughs> ouais, ouais, effectivement. Moi aussi, c'est deux compagnies que je truste, les yeux fermés. Fait étrange, je n'ai pas encore aucun jeu dans ma collection de Chip Theory Games. C'est un concours de circonstances, ça ne m'adonnait pas à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'en acheter. Un jour, un jour, je vais ajouter ces précieuses pièces de collection dans ma, dans, dans ma collection, justement. Mais j'ai déjà joué à Too Money Bones, j'ai jamais joué à Oplomacus. <laughs> T'aimes ça les sacs de chips un peu, ouais? <rire> <rire> Je sais, sacrilège. Sacrilège. Mais si comme moi, t'as jamais joué au jeu. Ah non. Je pensais que c'était lui, mais non, il n'est pas disponible pour jouer autrement. Fait que fait juste prendre ton mal la patience. Puis plège le jeu. Voilà. C'est Canada Friendly pour le shipping. Et non, ça ne sera pas disponible en français. Chipier... Chip Terry Games ont pas d'intérêt de... euh... à faire de la traduction, malheureusement, de leur jeu. Fait que ça va pas encore arriver. Alors, si tu veux Victorum, le jeu qui se joue en solo là, avec les campagnes, c'est 115$ canadiens pour avoir ce pledge-là. Et il n'y a pas de stretch goal, il n'y aura pas de flafla -fla de plus, c'est ça, c'est what you see, it's what you get. Et puis sinon, ben, tu vas pouvoir l'acheter plus tard sur le site de Chip Theory Game, comme tous les autres jeux de Chip Theory Game. Si tu veux la version remastered de Oplomacus, c'est 152$ canadiens. Et si jamais tu veux le all package deal avec les deux copies du jeu, les chips de santé, le sac de chips, <laughs> ben, c'est 309$ canadiens. Alors, non seulement français, mais il y a des groupes sur Facebook pour la traduction. Ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est seulement anglais, c'est triste. Mais ça, c'est tous les jeux de Chip Theory games. Fait que bref, vous vous trompez pas. Tu sais, des fois, je vous montre des projets Kickstarter. Je vous dis, je la connais pas la compagnie. Tu sais, fait que vous pouvez les et finalement, vous faire avoir. Je sais pas, tu sais. Mais avec eux autres, je suis certaine que vous ne ferez pas avoir. Je suis certaine que la qualité du jeu que vous allez avoir va être exceptionnelle. Non seulement la qualité des composantes, mais la qualité du gameplay également. Fait que, bref, c'est quelque chose qui vous branche. Je vous dirais que, allez-y, ça vaut la peine. Euh, je vous le recommande. Alors, dans les gros jeux, on en a d'autres. On a un jeu de civilisation qui s'appelle Mosaïque. Okay, il a ramassé un petit peu moins d'argent que... Oplomacus, mais lui aussi est apparu aujourd'hui. Euh, c'est un jeu de civilisation qui se joue en deux heures, euh, qui est censé être épique, mais bon, tout le monde qui va mettre un jeu sur Kickstarter va dire qu'il est épique. Là, fait que, à quel point est-ce que c'est vrai? Mais lui, il va être disponible en français. Fait que ça, c'est kind of epic. C'est de C'est de Forbidden Games. La compagnie, dans le fond, qui a créé ce jeu-là, euh, Puis c'est ça. Donc ils disent ici vraiment que pis, Forbidden Games... Euh en fait, c'est de Glenn Drover. C'est lui qui a fait Age of Empire Tree, Railways of the World, Raccoon Tycoon, puis Lizard Wizard. Donc des jeux un peu niche, mais très très bons que si vous avez eu la chance de jouer, je suis sûre que vous avez apprécié. En euh, enfin, c'est un jeu d'utilisation qui a toutes les petites choses qu'on veut dans un jeu d'utilisation, c'est-à-dire la construction de buildings, euh, les technologies, les merveilles, l'extension des cités, des ressources, des échanges de biens commerciaux, euh, l'âge, le Moyen Âge. Le Golden Age, tout, euh, dans le fond, des, des achievements à réaliser, des gouvernements, des leaders et des avantages et habilités spéciales, uniques à chaque civilisation. Ça se joue sur un plateau, on se développe, on attaque l'autre, on essaie de faire le plus de points, collecter le plus de ressources. Euh, bref, hein, c'est pas mal ça. Ça la cute. Et ça se joue d'un à 6 joueurs en 120 minutes. C'est une complexité, eux autres, de 3 sur 5. Ça, le c'est leur rating, mais une stratégie de 4 sur 5. Donc, peu de chance et euh, les bonnes décisions sont récompensées. Et dans les mécaniques qu'on va retrouver dans ce jeu-là, on a euh, sélection d'action, engine building, contrôle de territoire, co euh, dans le fond, euh, gestion de ressources et set collection. Les jeux sont tous épiques jusqu'à ce qu'on les reçoive et qu'on se rende compte qu'ils font pic-pic. Ah pic. Oh, ouais <laughs> Et pic, pic, ok, bye. <laughs> un point pour les formes, Un point pour l'effort. C'était... <laughs> Mais oui, Raccoon Tycoon, c'est un, un bon Eurogame qui est disponible, et qui est fait par cet auteur-là. Fait que, bref, c'est cute. C'est un beau style. Je trouve le style... Un... Le artwork est très beau. Tu sais, je pense que le jeu, c'est quand même prometteur. <laughs> Mais... Euh... Il fait vieillot, tu sais. Tu sais, les jeux bruns, là, tu sais, dans le temps où euh, tous les jeux de société étaient comme moches, là. Tu sais, au début des années 2000, là, fin 90, quand ils sortaient des jeux de société euro, ils étaient tout un peu moches, puis un peu beige, là. Euh, ça me fait penser à ça un peu, le style de ce jeu-là. Mais mis à part ça, euh, il a l'air bien sympathique. Euh, puis c'est ça, puis en plus, t'as as, as des, euh, des miniatures 3D, tu sais, des choses. Fait que les, les, les villes, euh, les cités... Les ports et euh, toutes vont avoir des miniatures. Fait que euh, aussi tes, tes, tes unités militaires, les merveilles vont avoir leur propre miniatures, tes pions. Fait que euh, ça risque ça d'être cute. Euh, puis t'as même des pièces en métal. C'est cœur, hein. Mais il t'explique tout ce que tu peux faire, comment jouer. Bref, si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Euh, puis j'avais tout autre chose que je voulais vous parler sur ce jeu-là. Non, c'est pas mal ça. Ça fait le tour de. T'as des add-ons, tu peux t'acheter euh, les miniatures justement parce que c'est disponible en add-on. Si tu achètes le jeu, tu n'as pas tout ça de base dedans, ce qui est triste. Et là, leurs jeux sont justement ici, là, de, du même moteur, Fait que si jamais vous les voulez. Bref, c'est tout. Fait que ça coûte combien ce jeu-là Ça coûte 96 dollars canadiens pour avoir le jeu de base. Et après ça, bien, vous pouvez racheter tous les trucs en add-on. Et il reste euh, 28 jours avant la fin de cette campagne. Alors allons vers le prochain gros jeu parce qu'il y a d'autres gros jeux sur Kickstarter. Et oui, je t'existe parce que il y a des semaines où il n'y a vraiment rien d'intéressant. Ben pas, pas d'intéressant, mais rien de gros, rien de majestueux Puis là, cette semaine. Il y en a quelques-uns. Donc, on a Castle Panic Deluxe Collection. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas ça, Castle Panic, c'est un vieux jeu, mais un bon jeu. Un jeu de Tower Defense coopératif. Où il faut euh, protéger la tour au centre du plateau contre des hordes de monstres jusqu'à temps qu'on ait détruit tous les monstres. Donc, lui aussi a été mis sur Kickstarter cette semaine. Il reste 23 jours à la campagne et il a déjà amassé euh, 191 000 Ça se passe bien, mais il, il se passe des présentations ce jeu-là également. Là. Ça joue d'un 1 à 6 joueurs en 45 minutes, 10 ans et plus. Et là, dans le fond, ce qu'il offre ici, c'est une version. Hyper de luxe du jeu, euh, où tout a été corrigé, les règles ont été revues, ça a été streamlined, ils ont essayé que les règles soient plus belles, euh, ils ont créé des miniatures pour la tour dans le milieu, pour les monstres, pour tout dans le jeu, des figurines et ils ont même fait une nouvelle extension. Et là, ben, ils peuvent t'offrir la version de luxe, la grosse boîte que tu vois là, avec toutes les extensions précédentes de Castle Panic, les miniatures et la nouvelle extension. <laughs> ouais, OG Belli, je sais, je sais, il n'y a pas de. Nyeh, ça, ça vient en phase, là. Mais c'est pas grave, de temps en temps, il y a des gros jeux, c'est quand même le fun. Mais oui, Mythic Battle Ragnarok, c'en était un vrai, de vrai, de vrai gros jeu. Mais, mais ouais. C'est quand même le fun. Celui-là, c'est sympathique. C'est quand même un beau jeu. Euh, c'est ça. Fait qu'il explique ici que les pièces de château, tu as les monstres, euh, tu as des nouveaux artworks, des nouveaux composantes aussi en bois euh, pour les tokens de monstres, mais c'est possible également de les avoir en miniature. Et tu as Crowns and Quest, qui est genre le nouveau, euh, dans le fond, euh, le, la nouvelle extension. Fait que tu peux te procurer Castle Panic avec le château seulement. Euh, et les tokens de bois pour les monstres pour 60$ US. Euh, sinon, ben, dans le fond, le, le pledge, c'est soit tu te procures Castle Panic, euh, mais c'est pas le jeu complet. C'est juste des parties du jeu. Currant, où tu sais, T'es Ou tu procures le jeu complet ici. Ou là, tu procures tout ce qui est nouveau ici pour 200$ avec le jeu complet inclus. Ou tu procures tout, 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 tout pour 350$ US. C'est quand même cher. Le prochain gros mais qu'on ne sait pas c'est The Witcher. Ouais, je sais pas. Hein? J'ai vraiment hâte de voir, par exemple. C'est quelque chose que je vais suivre de très près. Comme j'ai hâte de voir la saison 2 de The Witcher, qui était censée sortir en mai, puis qui va sortir, on ne sait pas quand, genre décembre, je pense. Mais <laughs> j'espère que ça va être bon. En attendant, il y a les jeux de vidéo pour nous satisfaire, ou les livres qui sont écœurants aussi. Fait que bref. Fait que c'est ça. C'est Castle Panic Deluxe. Si vous avez 350$ US que vous voulez flamber sur ce jeu-là, allez-y. Il y en a plein qui l'ont fait avant vous. Et on va aller voir. Est-ce que j'ai d'autres jeux gros Oh oui, j'ai un gros jeu encore. Mais c'est comme un. Ça, ça me fait rire. Ça, ça me fait rire parce que c'est classique des campagnes Kickstarter. Puis c'est une façon dérivée. Euh, de refaire une campagne pour épuiser ton vieux stock. Et c'est littéralement ce qu'ils vont faire là. C'est vraiment épuiser leur vieux stock, c'est tout là. Euh, fait que c'est Dark Rituals, euh, Malleus Maleficarum, original soundtrack. Donc, je vous explique. Là ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont payé du monde pour leur enregistrer une soundtrack de une heure pour le jeu. Pourquoi ils ont fait ça? Pas parce qu'ils euh, ont nécessairement un très gros amour euh, pour la musique, puis pour faire euh, de la musique pour leur jeu. Ce n'était pas quelque chose qui était euh, essentiel pour eux autres, mais parce que Kickstarter t'empêche de remettre un projet que as déjà mis sans rien de nouveau. C'est pour ça que souvent, tu sais, ils vont faire des reprints du jeu. Euh, par exemple, si je pense à Jeanne d'Arc, ils ont refait un reprint de Jeanne d'Arc, mais ils ont rajouté une extension dedans. Donc là, c'était permis, ils pouvaient réimprimer tout, revendre tout de l'ancien Kickstarter parce qu'il y avait une nouvelle extension dedans. Ils ont fait la même chose pour The Edge Downfall avec Awaken Rims. Ils ont créé une extension nouvelle qui était Darkness, qui est une petite, petite boîte comparée à tout le reste. Et ils ont pu revendre au complet la campagne. Fait que souvent, les gens, ils vont faire ça à la place. Ils vont, dans le fond, créer une petite extension pour le jeu et te faire un reprint. Mais eux autres, ils veulent même pas faire un reprint de leur jeu, tu comprends? Là, ils l'expliquent, ils disent qu'ils ont des quantités limitées de leur jeu dans chacune des langues et que c'est pas possible d'en réserver plus une copie dans la campagne Kickstarter. Tu t'arrangeras après ça dans le Pledge Manager pour être plus rapide pis t'en réserver des copies. Mais en fait, euh, <laughs> dans le fond, euh, Dans le fond c'est ça, fait que. qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. Fait qu'ils veulent juste écouler leur stock parce qu'il leur reste des boîtes. Littéralement, c'est ça. Fait qu'ils ont créé une trame sonore pour pouvoir écouler leur stock. Euh, fait que si jamais vous étiez, vous n'étiez pas procuré Dark Rituals et que c'était quelque chose qui vous intéressait, ben cette campagne-là, c'est littéralement pour se procurer les copies de Dark Rituals, Ce qui veut dire que vous allez quand même les avoir assez rapidement parce que vous n'aurez pas besoin d'attendre la production du jeu, tu sais. Assez que, genre, la livraison est promis pour juillet 2021. Mais tu peux quand même te procurer la soundtrack tout seul si jamais c'est ça que tu voulais. C'est 8 canadiens. On s'entend qu'ils n'ont pas ramassé 72 000 avec une trame sonore seulement. Ils vont faire un comic book en 2022 pour dire qu'il reste du stock. Ouais, mais ben, ça peut arriver. Euh, <laughs> cool, Ninja or Not utilise cette stratégie-là aussi. Je ça me fait rire quand j'ai vu ça, mais tu sais, c'est pas une mauvaise façon, là, parce que si jamais tu voulais le jeu, c'est cool de pouvoir te le procurer comme ça. Fait que bref, c'est possible dans les différentes langues. C'est vraiment en quantité très limitée, par exemple. Et chaque copie, euh, c'est 147 canadiens pour vous le procurer. C'est quoi Dark ben, c'est un jeu qui se joue en rencontre. Chaque rencontre est précédulée. Ça veut dire c'est quoi les objectifs, euh, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois installer le jeu. Et c'est un versus all. Donc, il y en a un qui va incarner le grand méchant. Et les autres vont incarner, dans le fond, des héros. Et ils vont devoir se battre contre le grand méchant. Euh, c'est ça. Et ça peut se jouer également en solo. C'est un jeu avec des figurines. C'est très joli. Euh, Puis, c'est ça. J'ai quand même vu des gens qui avaient des bons commentaires sur ce jeu-là. Mais bref. Si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il est sur Kickstarter en ce moment. Avec tous les stretch goals de la campagne précédente. Il n'y a pas de stretch goals pour celle-là parce que ça serait quoi, genre une trame de plus sur l'album. Et voilà. Euh, <laughs> Check-tu les campagnes de GameFound aussi Oui, j'ai check, mais euh, celle qui est présentement sur Gamephone, ben on l'avait déjà parlé il y a comme. Trois semaines, puis il est en train de terminer. Fait que Pour l'instant, il n'y avait pas de campagne nouvelle à parler. Je check, euh, c'est ça. Je check sur GameFound, euh, puis je vais checker aussi toutes les late les pledges qui vont ouvrir, les choses qui sont intéressantes pour vous procurer des Kickstarter. Euh, mais c'est ça. Fait que. Fait que, c'est Dark Rituals. Alors, c'est tout ce qui, ce qui était dans la catégorie gros projet. Fait qu'on va dans la catégorie maintenant prometteurs, qui sont des plus petits projets, euh, qui sont déjà financés, euh, mais à moins grande échelle. Mais c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, le, celui que je vais vous présenter là, c'est un Roll and Write. Mais en fait, c'est un Roll and Fight. Et c'est euh, une version justement Roll and Write de Vengeance, le jeu de société. Et euh, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, euh, vous allez incarner un personnage, s'ajouter à un 4 joueurs dans 30 minutes, 14 ans et plus. Et il y a même un mode solo d'inclus. Donc vous allez euh, préparer votre joueur avec euh, justement des combos qui sont intéressants. Tout ça, vous allez rouler vos dés pour faire les, le plus de combos intéressants, attaquer vos adversaires euh, dans, dans des. Euh, dans des genres de, de maps, et essayer de les défier. Enfin, vous avez quatre personnages dans la boîte et sachez que ça vient en deux boîtes. Enfin, vous avez l'épisode 1 et vous avez l'épisode 2. Et chacun correspond à des lieux, des missions différentes, euh, des cartes. Tout est différent dans le fond et sont combinables. Ce qui veut dire que si jamais vous procurez les deux boîtes, vous allez pouvoir jouer à 8. Oh, j'ai comme une petite alerte. Merci pour le follow, Walderid. Merci. Fait que si ça, vous allez pouvoir, dans le fond, jouer jusqu'à 8 joueurs à ce jeu-là. Alors, il y a l'épisode 1 et l'épisode 2 et sont rétro-compatibles. En plus de ça, si vous avez le jeu vengeance, vous pouvez utiliser les figurines du jeu, parce que c'est les personnages du jeu Vengeance, en fait, qui vont être disponibles. Et en plus de ça, si vous n'avez pas le jeu Vengeance et que vous étiez intéressé à vous le procurer, c'est possible de vous le procurer pour un rabais de 48% sur le prix de revente du jeu. Pfff. Parce que, dans le fond, ben, ça coûte 50$ sur cette campagne Kickstarter pour vous le procurer. Fait que bref, les pledges vont être de 29$ US, donc 36$ canadiens, euh, pour vous procurer, dans le fond, soit euh, l'épisode 1 ou l'épisode 2. Je pense que les deux... Ah, tu vois, c'est 36$ pour vous procurer l'épisode 1, euh, 67$ canadiens pour avoir les deux épisodes. Et si vous voulez avoir les deux épisodes avec le jeu Vengeance, ben c'est 96 dollars canadiens, si je comprends bien. Non, ça c'est pas les deux, c'est seulement un. Si vous voulez les deux jeux, <laughs> Roll and Fight plus Vengeance, c'est 120 dollars canadiens. Dans tous les cas, c'est pas très cher. Euh, Puis il y a même un pledge pour le retail. Fait que, bref, allez voir ça si ça vous intéresse. Et on passe au suivant, qui est Chai Tea for qui est de la même collection que les autres jeux Chai qu'on a vu passer précédemment. C'est bon, ça, tu invites une personne que tu pas, boum! <laughs> fait que, que c'est ça. Alors, alors c'est un jeu Chai qui se joue à deux et où tu dois, dans le fond, récolter ce qu'il faut pour pouvoir faire différents types de thé, remplir des commandes et les envoyer. Euh, c'est un placement d'ouvriers. Tes ouvriers, c'est des dés. Euh, donc, c'est un jeu vraiment de style Euro, très, 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 très léger, très, très, tu sais, simple, le fun, relax. Tu joues à ça, c'est l'été, t'as du fun. Euh... Attendez-moi deux secondes, écart, je suis vraiment désolée, il faut que j'en revienne. Je m'excuse pour ce petit délai. Euh, ma, ma laveuse, ben pas ma laveuse en fait, la laveuse de mes voisins qui est débordée. C'est la saga qui se continue. <laughs> fait que bref. Donc, alors c'est Chai. Et qui se joue à deux. Donc, si vous voulez vous procurer ce jeu-là, il je, y a plein de petits jeux de mots cute. Pas comme le jeu d'abeille de la semaine passée. là. Regardez ça. Join the party. Puis, quest que j'avais vu tantôt? C'est-tu? Quand je regardais les jeux, j'ai trouvé ça vraiment cute. Je me souviens plus, c'est où. C'était dans la description du jeu, je ne sais plus, mais il y avait un autre jeu de mots avec T, puis je trouvais ça vraiment, vraiment cute. <laughs> fait que, que c'est ça. Alors, si vous voulez avoir accès au Pledge Manager sans acheter tout, vous pouvez. <laughs> non, pas c'est pas le jeu ou des godots encore. <laughs> OK, vous essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé. <laughs> euh, fait que c'est ça, dans le fond. Alors 48 dollars canadiens pour la version à 2 Alors maintenant on passe au prochain et le prochain c'est un jeu de chat qui s'appelle Cat Astrophy. Eh oui, euh, jeu de mots trumch. Alors c'est un jeu de chat où en plus de ça ils ont été chercher tous les chats populaires de les internets. Ouf, je pense que ça sera pas pour Morialos, ce jeu là. Mais ça avait l'air quand même sympathique quand j'ai lu les règles, toutes. J'ai fait le tour de la campagne. C'était cute, ok? Euh, fait que c'est ça. Et là, t'as plein de bundles là, qui sert à rien, genre acheter des posters de chats. Mais si vous n'êtes pas une folle à chat, ça ne vous tendra pas d'avoir ça. Fait que bref, on va aller passer au gameplay. Alors, vous jouez des cartes de votre main. Vos cartes peuvent faire des attaques, des réactions, des choses spéciales ou se des alliés. Et là, ben, dans le fond. Euh, une fois que vous avez joué toutes les cartes que vous voulez de votre main, vous allez en piger 3 Et ensuite, vous allez piger une carte de catastrophe. Et la carte de catastrophe va initier une mini-game que vous allez devoir faire contre, euh, compétitionner contre les autres minous en jeu. Euh, Puis tu peux jamais savoir ça va être quoi le mini-jeu. Fait que c'est cute. C'est comme un, un jeu dans un jeu. tu sais. <laughs> et non, ouf. <laughs> en stretch goal, il y a de l'herbe à chat. Eh oui, c'est ça. Euh, fait, que, fait que, ouais. C'est pas mal ce que j'ai à dire pour ce jeu-là. Fait que si jamais vous voulez vous le procurer, c'est 36 dollars canadiens. Alors, on va passer au prochain parce que j'en ai plein. Alors, Station Fall. On va aller voir ça. Qui est un jeu qui se passe dans l'espace? J'ai absolument, pour être bien honnête, là, je l'ai mis parce qu'il a vraiment attiré une grosse crowd de personnes. OK, 226 000 dollars canadiens quand même. Euh, mais, tu sais, ce que j'ai lu... La description du jeu avait de l'air sympathique, mais en lisant seulement euh, la description du Kickstarter, là, j'ai pas vraiment tout compris comment que le jeu jouait. J'étais comme, ok, il manque beaucoup d'informations. Euh, mais dans le fond, c'est ça. Euh, station Force, c'est quoi? C'est un jeu où euh, vous êtes dans une station spatiale qui va bientôt s'écraser puis exploser. Alors, il faut que tu essaies de survivre et réaliser tes objectifs personnels, tandis que d'autres personnes vont incarner d'autres personnages qui peuvent être des êtres humains, des animaux, des aliens ou autre chose. Et euh, chacun avec des. Euh, des conditions de victoire différentes. Et là, le but, mais ben, ça va être euh, de voir avec qui tu peux faire confiance et à qui tu ne peux pas faire confiance tout en te déplaçant dans cette station spatiale-là, en activant les lieux et tout. Fait que c'est ma compréhension du jeu. Ça va de l'air quand même intéressant, mais je trouve qu'il manque peut-être un peu de description dans la campagne, mais ça ne l'a pas empêché de fonctionner. Alors... J'ai entendu parler, mais c'est le genre de jeu que tu es mieux d'attendre que ça sorte pour voir si vraiment c'est bon et t'achètes en retail. C'est ce que je me suis dit en voyant la campagne. Là, je ne vous dirais pas d'aller vous garocher sur ce jeu-là, mais il a vraiment attiré une grosse crowd. Donc, euh, ils ont fait une bonne. une bonne campagne marketing autour de ce Kickstarter-là. Mais si jamais vous êtes courageux et vous voulez vous procurer le jeu de base pour l'essayer, mais en fait, c'est 78$ canadiens pour pouvoir essayer ce jeu-là. Alors... Et je pense qu'en en fait... Um, mieux que ça, si je me trompe pas, je scroll je scroll, il est disponible sur Tabletop Simulator, Fait que si vous voulez l'essayer avant de l'acheter, c'est une autre possibilité. Ensuite de ça, j'ai... Ah j'en ai plein des prometteurs. On a Angel Fury, que j'ai manqué de mettre, parce qu'il ne m'attirait pas quand je l'ai vu visuellement. J'étais comme... Tu sais, les bases des figurines, ça met de l'air d'un vieux jeu. T'sais. Maintenant, on est rendu, me semble, avec des trucs un peu plus. Euh, je sais pas, tu sais, un peu plus développés pour les figurines, tout ça. fait que ça a de l'air un peu vieux comme jeu. Euh, Puis, ça va être disponible, dans le fond, c'est Canada Friendly pour le shipping. C'est de 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 14 ans et plus. C'est un jeu de bataille, vraiment, littéralement. Là, tu fais ta faction, tu te combats, blablabla. Bla, bla. Et pourquoi je vous en parle? c'est... Parce que c'est en collaboration avec Frix Games. Donc, c'est Daniel Frixelius qui le fait. Alors, Frix Game et Daniel Frixelius, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça devrait parce que ça s'appelle euh, Terraforming Mars. C'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est la seule raison. La campagne Kickstarter ne m'a pas convaincu. Mais si jamais vous aimez les jeux de bataille. Euh, ben, C'est un jeu de bataille qui inclut du euh, deck building où tu, tu, tu augmentes ton deck. Pour le rendre de plus en plus efficace, si tu te prépares pour la bataille puis tu t'en vas te tapocher Avec tout plein de petites variantes là, qui le rend unique. Et des figurines déjà moyennes sans être imprimées. Fait que euh, attendez-vous pas à quelque chose d'extraordinaire à voir ça. Euh, C'est ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre de plus. J'ai vraiment juste mis parce que c'était les autres, euh, mais c'est ça. Fait que bref, si jamais vous le voulez, il est disponible sur Kickstarter. J'ai comme pas envie de vous le vendre plus que ça parce que je suis franchement pas convaincue. Euh, fait qu'on va passer. Et mon Dieu, hein, le temps passe vite. On va passer tout de suite à la catégorie bric à brac juste pour que je vous montre. Pour les fans de Magic de Gathering, je pense à Dragon Elvish. Euh, mais je pense qu'il y en a d'autres dans le chat que vous êtes fans aussi de, de Magic. Il y a Mythic Frames, qui est une compagnie qui fait des sleeves pour les cartes Magic, mais avec des frames vraiment cute imprimés dans les sleeves. Là, fait pas coller sur vos cartes. Fait que quand vous mettez la carte dans le sleeve, ben, ça vous fait un frame vraiment cute pour votre carte. Comme ça. Il y en a plein de sortes. Genre ce. Genre ce. Genre ça. Fait que, bref, vous comprenez le principe. Fait que, si jamais ça vous intéresse, c'est sur Kickstarter en ce moment et ça fonctionne très bien. Donc, ça s'appelle Mythic Frames. Alors, on va passer tout de suite à la catégorie Inusité. <laughs> fait que ouais, c'est... c'est ça, exactement. Si Magic vous coûte pas acheter ça assez cher et qu'il vous reste de l'argent à dépenser. Fait que, dans Inusité, j'ai micro dojo. Dojo ou là tu veux gérer ton dojo puis le rendre le plus efficace possible, il est, il est seulement 5 euros, ce qui revient, dans le fond, à 9 canadiens. Euh, c'est pas tout ce qui est intéressant, ce jeu-là fit dans tes poches parce qu'il vient dans une enveloppe, c'est tout petit. Le jeu, il est déjà prêt à l'impression. Fait que tu vas le recevoir dans 2 à 4 semaines suite à la campagne Kickstarter. Alors tu vas l'avoir vraiment rapidement. Et euh, c'est ça, je trouvais ça original. Et en plus, tu peux l'essayer sur tes bolt Tabletop Simulator si jamais tu veux avant. Fait c'est un jeu vraiment de style Euro qui est disponible dans toutes les langues en plus. Euh, Puis c'est ça. C'est euh, Micro Dojo. À part de ça, à part de ça, on a euh, 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 Flex NBA. Je vais en parler juste vite parce que... Il fitait bien dans la catégorie Inusité. Fait c'est un jeu de basketball où. Euh, en réalité augmentée et qui est fait en collaboration avec la NBA, ce qui fait que c'est vraiment des vrais joueurs de basket. Fait que si vous êtes fan de basket, vous allez pouvoir euh, apprécier ce jeu-là. <laughs> euh, Puis euh, c'est ça. Fait que dans le fond, le but, c'est juste de faire votre line-up de, de joueurs et euh, d'utiliser différents flex pour faire des combats de flex entre les deux. Fait que des flex, mais ben, c'est des special skills. Euh, fait que, il y a plein de stratégies, puis à chaque fois que vous décidez de jouer un certain flex ou whatever, ben vous mettez votre téléphone et ça anime. Fait que là, je pourrais vous montrer, là, juste pour que vous voyez, ça ressemble à quoi. Euh... Je pense que j'ai l'ai passé, mais bref, vous voyez avec votre téléphone une animation de votre joueur. Comme ça. Et, euh, ben, c'est ça. Si vous voulez avoir ce jeu-là, c'est 67 canadiens Et ça se joue sur le téléphone aussi. C'est pas mon genre de jeu, mais je trouve ça intéressant quand même. C'est original. Alors, on passe à la catégorie préférée de tout le monde qui est caisser. <laughs> et euh, cette catégorie-là, ben, hein, comme vous le savez, c'est pour parler de projets Kickstarter que. C'est ça, hein? ça. Ça laisse à désirer, mettons. <laughs> Donc, on a le jeu Real Life que Juste à lire la phrase, c'est prometteur. Try to make it through this dark paro parody board game without going bankrupt or committing suicide. Si tu penses que c'est dark, cette euh, phrase-là, ben, euh, c'est le jeu en tant que tel. Tu sais, en ce moment où la santé mentale des gens laisse après à désirer, ou tu sais, comme genre on aurait besoin de nous cheer up avec des choses positives, drôles un peu, ben, cette personne a décidé de faire un jeu. Euh, totalement euh, <laughs> random euh, où il y a pas vraiment de façon de gagner non plus il te l'explique ce qui est bien original mais tu y joues et là ben tu collectes des traumas euh, des problèmes de santé mentale tu payes ton loyer tu t'es pas capable tu trouves une job tu trouves une maison tu rencontres quelqu'un pour te faire crier là euh, bref tu s'en vas en thérapie, euh, puis ça fonctionne pas bien. Il euh, y a, des, y a des, des événements mondiaux qui, mondiaux qui arrivent, puis qui sont pas le fun. Euh, plein de choses comme ça. Puis en plus de ça, ben, tu as plein de façons de mourir. Ton bonhomme peut juste se suicider pour aucune bonne raison. Euh, genre plein de façons de mourir, donc hashtag Black Lives Matter. Fait que si tu trouves un, un jeu qui est très euh, incorrect, ben ce jeu-là, <laughs> bref. Euh, sais, ils font des warnings là genre fais attention on va parler de sujets sensibles bla 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 bla, bla, bla mais bref euh, euh, c'est ça je, je ma question c'est juste why pourquoi pourquoi je voudrais avoir envie genre de jouer <laughs> de, de jouer à ça je sais pas euh, écoute c'est ça fait que on commence fort avec celui là mais on continue toujours aussi fort euh, celui là c'est plus une critique sur euh, Hein? Parce que dans les dernières semaines, on en a vu plein de jeux de partie euh, où le but, c'est de sortir une carte et cette carte-là va avoir une phrase que tu dois compléter avec, roulement de tambour, des cartes que tu as dans tes mains. Ben oui. Puis là, ben, celui qui a fait la meilleure réponse remporte. Ça vous fait penser à d'autres jeux qu'on a vus dans les dernières semaines ou ça vous fait penser à un jeu qui est sorti il y a quelques années et euh, qui devrait avoir des droits d'auteur sur cette... <laughs> version de jeu. Fait que ouais, ouais, ça c'est critical fail. Et critical fail pourquoi Parce qu'à cause de critical Role. pourquoi Parce que ben c'est un jeu de Cards Against Humanity, quoi qu'il mentionne pas parce que sinon il devrait payer des droits d'auteur, mais c'est exactement ça, mais version RPG. C'est tout. Fait que c'est pas <laughs> C'est pas très, très euh, original. Bref, euh, écoute. Je sais pas combien de fois les gens vont essayer de refaire des Cards Against Humanity sur... Euh, sur... Euh, c'est ça, hein? Ça me semble la semaine passée, j'en ai présenté deux. Je pense que j'en présente à chaque fois. Et là... Oh, un nom prédestiné, effectivement, Critical Fail. Je suis d'accord. Ensuite de ça, l'autre projet, je, veux, je voulais juste vous le montrer à cause de la phrase. C'est parce que quand je magasine les projets, je lis la phrase d'accroche, tu Et là, la phrase d'accroche de ce jeu-là, c'est « A board game with cards and 3D playing pieces ». C'est tout. <laughs> on devrait partir un Kickstarter. Effectivement, mais c'était pas un Kickstarter de « D » que nous autres, on partait. Là, ça va être un Kickstarter de « D ». Plus de Cards Against Humanity, on peut. <laughs> Je suis partante, let's go. On va se faire la pièce. Euh, fait que c'est ça. J'ai pas vraiment de critiques sur le jeu. Ça m'a pas l'air d'un jeu qui m'intéresse, un roll and move avec euh, One Way to Go. Euh, C'était juste que. Ça, c'est ton accroche de vente. On a des petits problèmes de marketing ici, là. Il va falloir qu'on se parle un petit peu. <rire> Bref. <rire> Alors, passons au, à la prochaine appel. Alors, quel autre sujet ça ne tente pas d'aborder quand on veut jouer au jeu de société? Tu sais, comment, comment péter le fun d'une soirée? Ah oui, en parlant de politique américaine. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, étant donné que 14 contributeurs pour soit, 700 dollars Euh, C'est ça. Écoute, c'est un jeu de politique américaine. On dirait que... J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, là. Ça a l'air aussi excitant que ça sonne, là. Et voilà. Fait que Politics as usual. Et en plus, c'est un reprint parce qu'il avait déjà fait une campagne et ça avait marché. Fait que là, ils il se réessaient puis ils font une deuxième campagne. Yeah. <laughs> fait que si jamais vous voulez euh, finir votre partie puis que les gens commencent à s'en aller, sortez ça. Et là, après ça, ben si ça fonctionne pas, Bien, vous pouvez aussi sortir euh, un paquet de cartes pour jouer aux cartes, mais tant qu'à sortir un paquet de cartes, pourquoi pas acheter une paquet de cartes à, de poker sur le thème du Corona qui s'appelle Dark Times 2020? Est-ce que, est que, est que vous aussi, vous voulez avoir un souvenir euh, de 2020 en format carte à jouer? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde qui en veulent <laughs> sur Kickstarter. Euh, mais c'est ça. Si jamais vous voulez vous procurer un beau petit paquet de cartes avec des gens avec un masque puis un petit corona dans le milieu, euh, c'est ça. Bref euh, Ça faisait une couple de fois que tu on n'a pas vu de, de jeu inspiré du Corona parce que il euh, y en a souvent, les gens se sentent inspirés avec ça puis euh, ça pogne d'habitude pas là, ces jeux-là. Euh, mais là hein. En fait ce jeu là est brillant. Quand tu veux avoir la paix, tu sors le jeu et ta lame il porte! Ils partent, effectivement. Effectivement. Sinon, tu sors ton paquet de cartes Corona. Mais si c'est pas assez, un paquet de cartes Corona, tu sais, euh, pour écœurer les gens qui sont déjà écœurés d'en parler, tu sais, comme la majorité de la, la population, tu peux sortir le jeu qui s'appelle La Rona, et qui est un jeu, dans le fond, euh, qui est « Exciting Card Game in Remembrance of the Worst Year Ever 2020 ». Alors, un jeu de souvenirs de 2020. S'appelle la Rona. Euh, c'est ça là. Je sais plus quoi dire sur ces jeux là, il y en a tout le temps qui, euh, qui arrivent. Euh... <laughs> fait que tu sors ça, ta visite devrait commencer à penser sérieusement à s'en aller une fois que tu as sorti ça. Mais si ça marche toujours pas, j'ai d'autres solutions pour toi. Décourage-toi pas là. <laughs> Alors la prochaine solution pour ça si jamais ta visite est persistante, c'est de sortir un autre jeu de cartes de poker mais cette fois un jeu de cartes de poker version touriste, version hawaïen, tu sais. Tu sais parce que on veut financer ça là. Je <laughs> comprends pas. On va voir quelqu'un m'explique comment ces paquets de cartes là, là peuvent arriver à attirer ça, là, Sur Kickstarter, je comprends pas. Genre, c'est moi qui. Genre, ton roi avec une petite chemise hawaïenne puis une caméra. C'est quoi l'attrait <laughs> C'est tout. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je comprends juste pas. Il va falloir qu'on se parle un Kickstarter des cartes aussi. On a beaucoup de Kickstarter à partir Gang. Là. Un de D par rapport, un de cartes par rapport, puis un remake. Fait par nous-mêmes, de Cards Against Humanity, parce que ça a l'air que c'est permis. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, si tu encore de la visite, plus là, tu veux être sûr de vraiment les écœurer, pis tu sais, tu te dis, ah, oh, j'ai pas vraiment envie qu'ils reviennent chez nous, tu sais, fait que j'aimerais ça qu'on chicane, pis qu'on s'en reparle plus jamais. mais ben, tu peux jouer à Woke. Il y, y a rien qui sonne plus, plus, tu sais, Party game que le mot triggering and personal. Oui, il faut regarder ce qui pogne et tout mélanger et faire un super mixte. Effectivement, pour fitter avec Mixed Deal, je suis d'accord. <laughs> On parle d'un jeu de plein de jeux weird, ça serait écœurant. Fait que Woke, c'est quoi? Ben, c'est un jeu pour, pour faire de la chicane où tu vas piger une carte qui va te dire genre. Euh... Une phrase, là, c'est un statement. Celui-là, il est soft, là, mais il y en a plein d'autres. Genre, je suis un catfish sur Instagram. Et là, tout le monde va devoir voter pour dire s'ils sont d'accord ou pas avec ce state statement-là par rapport à toi. Fait que tu vas te faire insulter par tes amis. Euh, vous allez vous chicaner. Euh, c'est ça. Je prétends, je prétends être un féministe, mais franchement, je mange et je, 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 mange et je dors très bien. Et c'est tout ce qui est compte pour moi. <laughs> Fait en plus, ils sont même pas, genre, bons, tu sais. Tu sais, tant qu'à faire un jeu avec des cartes comme ça, où ils disent que c'est triggering et personnel, tu sais, ils devraient en sortir des vraiment salés, mais ils sont même pas, genre, comme... Ils sont même pas intenses, là. Ils sont juste, comme, genre, très sur la limite du soft, tu sais. Le caractère qui a brisé des amitiés, c'est plus rien comparé à Woke. <laughs> tu sors ce jeu-là après que l'autre jeu dépresse de tantôt. Effectivement. Une fois que tout le monde, le mood est vraiment dans tu sors ça, là. Moi, j'ai des bonnes recettes pour un party. Invitez-moi chez vous. C'est cœur, Mais c'est pas tout. Parce que là, mettons qu'il tresse encore de la visite, là. Ben, tu peux sortir ce jeu-là. Je suis pas mal sûre que tout le monde va t'en aller rendu là. là. Ça s'appelle Forces of Light, a board game for spiritual growth. Ça, ça. Je... <laughs> Encore une fois, je ne sais pas trop quoi vous dire, euh, tu sais. Tu collectes de la vertu, de la lumière, de la calamité, des tokens d'action dans un jeu euh, où les, les joueurs vont essayer de défier euh, le darkness comme le racisme, la peur, euh, l'avarisme, l'ignorance avec justement ces vertus et tout ça. Tu sais. Euh, C'est ça. <laughs> Moi, en tout cas, je sais que quelqu'un sort ça. Euh, je me questionne sérieusement si j'apprécie assez cette personne-là pour euh, vouloir rester ou juste m'en aller en courant. Euh, mais c'est ça, les vous. Forces of light. Et finalement, ben si tout ça marche pas, j'ai encore un autre jeu pour mettre fin à votre soirée. Ça s'appelle No Chill! Et ça, c'est juste plain wrong. C'est juste... Euh... <laughs> Ouais, C'est juste, c'est ça, wrong. Pas d'autre mot pour ce jeu-là. Je lisais, j'étais comme. Dans quel monde, genre, t'as envie de jouer à ça? Mais ça a été publicisé sur CBC, CBS, Fox et NBC. Fait que ça doit être full populaire, tu sais. Euh, fait que c'est des cartes de vérité ou conséquences qui va te faire faire des trucs vraiment niaiseux, genre texter ton ex pour lui dire que tu t'ennuies d'avoir du sexe avec les autres. Tu sais, des choses genre que ça peut pas résulter, tu sais, en, en euh, des problèmes du tout, tu sais. Et euh, sinon, ben, des, des questions un peu niaiseuses, genre, euh, c'est ça. J'ai comme pas envie de lire les questions. Euh, mais, euh, c'est ça. Fait que tu récoltes des points en répondant à ces questions-là ou en faisant ces dares-là. Et si jamais tu réussis pas à les faire, bien, il y a une table de punitions. Et là, bien, dans les punitions, euh, te, par exemple, prendre un shooter, euh, te stripper, euh, t'enlever un vêtement, te faire spank par un autre joueur, spinner une bouteille puis embrasser la personne, euh, ou un, une punition random du groupe. « Le niveau de maturité de ce jeu-là atteint des niveaux. » Hein? J'achète <laughs> Sébastien. Sébastien, on l'a eu au mot « spank ». Il a fait comme quoi? Un jeu où, genre, comme, c'est légal, je peux spanker mes invités pour le fun. Let's go. Fait que c'est ça. C'est tout. « C'est très inappropriate comme jeu et très immature. <laughs> » <C 'est... rire> Ça joue à ça au max au, big, au Beach Club. <laughs> ah, écoute, ben ici, il y a des clients du Beach Club. Euh, et voilà. Hein. <laughs> fait que c'était ça, mes jeux de cette semaine dans ma catégorie euh, de casser. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trouvé plein de choses intéressantes dans cette catégorie-là et que vous avez financé tous ces beaux projets. Ou pas, vous faites ce que vous voulez. Hé, hey, j'ai dépassé le temps. Je m'excuse, Seb. Parce que là, euh, je vais aller à la scène principale. Checkez-moi bien. Parce que là, c'est bien beau tout ça. Mais tu sais, après moi, tu Seb. Et Seb, lui, euh, il va jouer à son jeu qui s'appelle Wizards and Warriors. Tout de suite mo après moi, genre là, là. Pas pire. Ouais, j'avais vraiment beaucoup de ça. J'étais comme, oh shit, comment je vais passer à travers tout ça? Je ne sais pas. Euh, on a réussi. <laughs> Dragon Rescue Crusade, ça sonnait quand même bien. Ouais, le pitch de vente euh, de, du jeu avec. Euh, comment ça s'appelait Je me souviens plus. En tout cas, meilleur pitch de vente ever de jeu. Ouais. Je ne vois, je vois pas, tu sais, pourquoi on, on se casse la tête plus que ça, tu sais. A board game with cards and 3D playing pieces. Et voilà. C'est tout ce que tu as besoin pour décrire ton jeu, pour le mettre sur le Kickstarter. Alors, lâchez pas. Euh, fait que je m'excuse, Seb, je t'ai volé du temps. Mais Sébastien s'en vient en ligne. Là, là, le savoir, il va jouer avec vous à Wizards and Warriors tout de suite. Fait que. <laughs> fait que merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Euh, Puis, ben, on se revoit. On se revoit quand On se revoit lundi. Euh, pour pouvoir euh, dans le fond jouer une autre partie de Atmosphere comme hier soir, si vous avez manqué la partie de hier soir est disponible en Restream. On a joué Atmosphere 2, fait qu'on a passé de quelqu'un qui nous bouliait sans arrêt à quelqu'un qui nous faisait des avances sexuelles vraiment très déplacées. Et pourtant, c'est un jeu qui est censé jouer à partir de 12 ans. <laughs> euh, fait que c'est ça. Fait que bref, je vous souhaite une super belle soirée et euh, ben à la prochaine. <laughs> Bye!